Là, en 2007-2008, tout doucement, chaque année, les prix ont commencé à monter. D'une façon ponctuelle, tout doucement, jusqu'en 2017, pendant 10 ans. Tout doucement, et le discours que certains perrins qui me remontent l'information, c'est les travaux à la cabane, les travaux à la cabane, les travaux à la cabane. C'est le discours que tout le monde a, à peu près. D'accord ? C'est, nous, on a rien certain que moi, c'est des infos. C'est pas ça le motif des augmentations des prix des haches. Le motif, c'est la destruction de 80% d'hôtels qui étaient des hôtels plus ou moins acceptables par les pèlerins avec des prix normaux, des prix à la base de tout le monde, et que maintenant, et que le Hajj, je m'excuse d'interrompre le monsieur Zabour parce que je ne sais pas si j'ai la parole. C'est pour corriger un petit peu pourquoi ces augmentations de prix. Pourquoi tout ça? C'est à cause de la destruction de 80% d'hôtels normaux, des hôtels comme on appelle l'Aymarat, Amal Qadimad, qui étaient plus ou moins près et pas loin de la mosquée sacrée. Malheureusement, vu la destruction de ces hôtels-là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que les grands hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, la abrage.